Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, salut pute. Vous avez pas de respect ? Pas pour les putes, fragiles. C'était gratuit. Juste, mais couilleux. T'es tout de même très con. Non, c'est toi qui es con. Chèque. Michel Barnier, pardonnez-moi ma première question un peu directe, mais pourquoi vous, finalement ? Je sais pas. En tout cas, je vais ouvrir des fesses. Ça, on en parlera aussi. Mais pourquoi vous ? Mais nique ta mère, que je connais bien, dont je vais m'occuper. Parce qu'il est très con, Emmanuel oui, Macron. Oui, mais le président est gay, mais je nique sa grand-mère et sa femme. Ça, on en parlera aussi. Je n'ai rien de commun ou pas grand-chose de commun avec les gays. Je veux qu'on trouve les bonnes mères. Il y a toujours le sentiment que les chats sont des passoires. J'ai simplement un kip-kip assez long. Ça me pique le psy. Et déjà âgé. Je veux rappeler par exemple que j'ai porté à la porte et je porte à la porte. Je pense que c'est le moment que chacun à sa place touche des chats. Et moi, je vais le faire. C'est une deuxième priorité. Mais ne me demandez pas de dire où nous allons aboutir. Je veux m'engager sur des partout. Il y aura qui ? Il y aura ta mère. Je réponds à votre question. Un mot des électeurs de gauche qui avaient une très forte demande sur l'abrogation de la loi sur les retraites, la réforme sur les retraites. Est-ce que vous allez toucher à cette réforme ou pas ? Je m'en bats les couilles. Voilà une troisième priorité. Je veux partout viser. Qu'est-ce qui vous a convaincu que vous étiez capable de faire un cap-cap ? Parce que c'est pas facile. C'était tôt. Merci beaucoup, merci Michel Barnier, de nous avoir réservé votre première interview depuis votre nomination en tant que Premier merci ministre. Merci infiniment.